son contact, il ne laisse personne indifférent. Il a marqué des générations et pour la première fois, il dit tout. Léonard Chatelain est le gros plan. Nous étions à San Mélima. Nous avons suivi l'équipe de C'est que du bonheur, la matinale de Zen Radio, Making of. De quoi vivent nos médias? Comment sont rémunérés nos hommes et femmes de médias? C'est du cash et c'est la grande enquête. En fin d'émission, humour des hommes de médias dans la courte focale et humeur de la télé, radio, web dans le zapping. Ne zappez pas, Travelling, c'est tout de suite. Travelling, épisode 2, saison 2. Bienvenue à tous. Ouvrons ce numéro par une enquête cash. L'argent. De quoi vivent nos médias? Nos hommes et femmes de médias sont-ils assez, peu ou pas du tout rémunérés? Comment vivent ou survivent les entreprises de presse au Cameroun? C'est une enquête clash signée Alain Nagui-Essono, Christian Boidier, Alain Singon et Joseph Ekoa. Vous voyez des gens aujourd'hui à l'antenne, ils ont 35 ans, 40 ans, 50 ans pour d'autres et ils n'ont même pas un terrain. Vous prenez un organe de presse comme la télévision, aucun journaliste n'est véhiculé. Aucun. On a trop peu d'annonceurs pour le nombre de titres qu'il y a sur le marché. Des confrères respectables sont aujourd'hui réduits à la mendicité. Je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Un communiqué du Syndicat national des journalistes du Cameroun, sous la forme d'une étincelle, partie d'un feu où brûlent les flammes du quatrième pouvoir. Nous venons par la présente vous faire injonction de payer sous huitaine, ceci à compter du 2 septembre 2019, les salaires dus et proposer un moratoire pour l'apurement des aérés. Le SNJC, déterminé à mettre un terme à l'exploitation éhontée et humiliante des travailleurs des médias, se déploiera sans retenue pour cette revendication. Un secteur qui se développe dans une situation matérielle limitée et précaire. Des travailleurs des médias qui osent enfin parler. Le salaire, ça ne comble toujours pas les brèches. Des patrons de presse résignés. Les médias vivent un peu par pitié. Des cris de colère qui contrastent avec la pitance que l'État accorde à la presse nationale. Un peu plus de 200 millions. Médias, entre solitude et dénuement, enquête au cœur des principales antennes privées de Douala et Yaoundé. C'est indéniable. Le journalisme au Cameroun évolue dans un cadre différent de celui voulu par le Code du travail, des syndicats et de la convention collective. Journaliste à Canal 2 International, Brent Kamga couvre l'actualité au quotidien. C'est pas avec la même aisance qu'il divulgue son salaire. En valeur relative, je suis payé en fonction de la convention collective en vigueur au Cameroun, même si elle est un peu dépassée, catégorie 9. Au départ, le contrat de travail, c'était pour l'exécution des tâches précises, comme par exemple un papier par jour, mais très régulièrement, on se retrouve en train de faire 3, 4, jusqu'à 5 ou 6 reportages par jour. La faute à l'État, au patron, aux journalistes que nous sommes. Pour celui qui avait pris part aux deuxièmes états généraux de la communication en 2012, il y a une volonté manifeste des gouvernants de clochardiser les journalistes. 7 ans plus tard, malheureusement, on ne sait pas ce que sont devenues les résolutions des états généraux de la communication. Il y a comme une volonté du gouvernement à museler davantage la presse, à voir les journalistes mourir davantage et à ne pas vivre de leur art. Produit de l'Institut supérieur Siantou, Auriol Tchoumi a migré sans cesse de média en média. Après 12 ans d'errance, il nous ramène sur les traces de son chemin de croix. En 2007, à Skyono Radio, j'avais 50 000 francs le mois. Seulement après, c'était pas régulier. Georges Gilbert Baon, là, les deux premiers mois, lui aussi, ne m'a absolument rien donné. Mais par la suite, il m'a donné 125 000 francs le mois. DBS, je fais 6, 7, 8, 9 mois sans salaire. Je pars, je me retrouve à Equinox Télévision où je fais également 7 mois sans salaire. Après, on commence à me payer 50 000 francs. De 50 000, je monte à 80 000. Je m'en vais à Afrique 2 Radio à Yaoundé et c'est la plus grosse erreur de ma vie.
je suis resté pendant 8 mois sans salaire. Mon jeune frère qui m'hébergeait était mort. Il dormait dans la chambre avec sa femme et moi je dormais au salon, sur le canapé. Je rentre, je fais des excuses publiques à Equinox, à télévision, je suis réintégré. Seulement, cette fois-ci, on me dit, bien que vous ayez déjà un statut dans la maison, vous allez recommencer comme un stagiaire. Chose que j'ai acceptée. Et au bout de 7 mois, on m'appelle pour me dire que, bon, écoutez, vous êtes arrivé au terme de votre pénitence, on va vous donner 50 000 francs de salaire. Je préfère abandonner. On m'a rappelé quelques temps après pour me dire, le PDG t'attend au bureau. Je suis allé, j'ai rencontré le PDG, on a échangé, il m'a dit, bon, monsieur, je vais vous donner 80 000 francs. Et ça, c'est de ma poche. C'est en attendant que je m'accorde avec les cadres en interne. J'ai accepté de prendre ces 80 000 francs. Seulement au bout d'une semaine, on m'appelle encore dans son propre bureau pour me dire, en attendant que le PDG ne s'accorde avec tous les autres cadres, allez attendre au quartier. Et je suis repêché par Didier Kouamo, qui me tend la perche à ABK Radio. À ABK Radio, très vite, on me recrute, on me donne un salaire de 100 000 francs. Dans cette opération de survie, c'est la rancœur pour les hommes et les femmes des médias qui préfèrent souvent migrer ailleurs. Pour comprendre la politique nationale sur la communication privée, nous avons rendez-vous avec le directeur du développement des médias privés et de la publicité au ministère de la Communication. C'est au sous-sol de l'édifice que se trouve son bureau. Ici, la presse est la bienvenue. Le gouvernement apporte une aide annuelle aux médias privés à travers un mécanisme qui s'appelle l'aide publique à la communication privée, qui englobe donc, en dehors des médias, c'est un nombre de structures, dont des associations et même des imprimeries, depuis 2002. Et il consiste chaque année à recevoir des dossiers conformément au texte qui le régit, à les dépouiller, à les soumettre à une commission interministérielle. Seulement, qu'en est-il de l'état actuel de l'aide à la communication privée ? Un peu plus de 200 millions, un peu plus de 100 à 120 bénéficiaires chaque année. Un argent dérisoire qui ne peut servir à irriguer toute la presse privée. D'après l'Officier national de la communication, le Cameroun compte près de 650 journaux, 200 radios, 30 télévisions et 20 médias en ligne dûment enregistrés. Sur le terrain, la presse vit sa précarité. Entre les recettes escomptées et les dépenses, les directeurs de publication se heurtent à un système politique et aux variations du tissu économique. Niassa Soleil est à la tête d'un groupe de presse qui comprend 237 éperviers, le journal Investigation, Soleil TV et Soleil FM. L'homme politique mise sur ses revenus de cacaoculteur prospère pour faire fonctionner ses médias. Je ne sais pas combien de patrons de médias payent leurs employés, c'est la passion. Maintenant, je suis déjà d'abord implanteur. De naissance. Comme la saison arrive, je peux garder 3 ou 4 ou 5 millions. J'essaie de faire le temps, j'essaie d'améliorer ce qui est dans la radio. Honnêtement, je vis des méchants de cacao. Il y a aussi un relationnel. Si tu as un ami qui peut avoir pitié de toi, vous rendez compte que vous avez pratiquement dans les 2 millions par mois de charges. Loin du modèle adopté par le groupe Soleil et Média, la radio Royale FM a vu le jour pour servir d'instrument de communication aux entreprises d'un consortium. Le consortium dépensait beaucoup d'argent pour faire des insertions dans les journaux, pour payer la com dans les stations de radio et de télévision. On a pensé que c'est mieux d'avoir aussi sa structure médiatique à soi. On ne peut pas vivre dans les conditions actuelles du Cameroun en comptant sur la publicité. Il a quitté les studios de radio pour exercer la communication d'entreprise. Alex Yehoué a fait son comeback comme patron d'ABK Radio. Le modèle classique n'est plus suffisant. C'est-à-dire avoir une radio, espérer simplement vendre quelques spots aux heures de grande écoute. Quand on veut être une radio ambitieuse, se développer, ce n'est plus suffisant dans la publicité classique. Il faut être imaginatif. Les marques ont de plus en plus besoin de nouveaux formats de communication. Les marques ont besoin aujourd'hui de nouvelles façons de communiquer, d'interagir avec leur public. ABK a fait le pari de la créativité et ABK compte pour augmenter
Parce que chez nous, tout est augmenté. Augmenter ses revenus, augmenter ses entrées à travers des nouveaux formats que nous allons proposer aux annonceurs. Ces nouveaux formats, je vous l'ai dit, c'est des podcasts, c'est une plateforme digitale. Dans cet océan de difficultés, contre toute attente, Cyril Bougico, propriétaire de Radio Balafon, a voulu trouver son compte. Mais comme j'insiste encore, j'insiste beaucoup sur la régulation du secteur. Parce que ça permettra à ceux qui ont des projets nobles et sérieux de pouvoir mieux s'en sortir, mais également à tous de pouvoir y tirer un quelconque bénéfice. Oh, ma poupée, la fleur de Balafon, Madame Orgoso, la mignonne. Et comment? Je suis d'affaire de faire que baisser, il faut augmenter ça. On en hausse ou on en baisse? En hausse, c'est bon. Une embellie qu'elle loin de connaître la presse écrite. Georges Alain Boyomo dirige le quotidien Mutation. Son regard est différent. Mutation vient essentiellement des recettes publicitaires. Naturellement, ce n'est pas suffisant. Je pense que c'est l'une des clés pour comprendre le problème de la presse. Il y a des annonces qui, non seulement ne sont pas suffisantes, mais en plus ne sont pas payées à temps. Le tissu économique ne générant pas une activité forte et le rapport de certaines entreprises à la presse étant encore diffus et même assez compliqué, nous ne recevons pas des publicités d'un certain nombre de sociétés d'État et autres. Et donc, ça restreint un peu notre assiette de recettes, ce qui nous met naturellement dans une situation inconfortable. Il y a 4 ans, Joseph Diéné lançait ChapChap Magazine. Pour tirer un numéro de ce mensuel tout en couleur, cet ancien du magazine 100% jeune est obligé de faire des sacrifices. C'est le seul magazine depuis 5 ans qui vit sans sponsor. C'est pas parce qu'on n'a pas cherché. Je vais vous rassurer que au lancement de ChapChap Magazine, on a déposé au moins 40 correspondances dans des structures du Cameroun. La première année, puis la deuxième année, bon, après la troisième année, on s'est lassé, on a dit qu'on ne dépose plus jamais. ChapChap Magazine vit des relations. ChapChap Magazine vit du salaire de son promoteur. La presse en ligne, pour sa part, connaît un essor certain avec la multiplicité des sites web et web TV. C'est pas pour autant qu'elle soit à l'abri. Les médias vivent un peu par pitié, la pitié des autres. Pourquoi? Parce que rien n'est mis en place pour que les choses se passent telles que ça devait être prévu, à savoir qu'il y ait des tarifs, par exemple, qui soient fixés. On ne peut pas dire aujourd'hui que, étant une entreprise audiovisuelle, on gagne de l'argent, non. Mais de manière globale, c'est simplement parce que nous avons d'autres activités connexes, notamment le concert, comme je l'ai dit, la conception des spots, des films d'entreprise et tout ça. C'est ça qui nous permet réellement de vivre. Mais si on devait regarder publicité pour publicité, on aurait fermé depuis très longtemps. Vous avez les publics infos et puis vous avez aussi plusieurs autres soutiens qui sont parfois connus et inconnus. Pour comprendre le mécanisme de financement de la presse au Cameroun, nous nous rendons sur le campus de l'université de Yaoundé 1, précisément à l'ESTIC, où nous attend un tas habitant, enseignant de journalisme. Il étudie les médias depuis toujours et a une idée claire. On aura doublé, triplé et même quadruplé cette aide, c'est-à-dire pour atteindre le milliard que l'on souhaite. Si cette aide ne va pas à la presse dans sa forme actuelle, elle est destinée à la communication, alors ces médias-là, vous êtes d'accord avec moi, que continueront et continueront toujours à se plaindre. Ainsi, la précarité de la presse vient du fait que les entreprises ne sont pas viables économiquement. La loi de 90 dit que pour créer un journal, il faut 3 noms et puis vous déposez une déclaration à la préfecture du coin. Bon, alors, tant que la loi est comme cela, tout le monde peut créer un journal le matin et le même journal est menacé de disparition le soir. Il faut bien qu'on mette en place un environnement qui permettent la viabilité économique de l'entreprise de presse. C'est-à-dire que les entreprises de presse devraient se créer en s'adossant sur les textes OADA, comme toutes les entreprises qui existent au Cameroun. L'entreprise de presse n'est pas une entreprise à part, c'est d'abord une entreprise avant d'être une entreprise de presse, dont elle devrait avoir un capital. C'est de là que vient la précarité de la presse.
Et évidemment, la précarité de la presse, avec tout ce que cela peut avoir comme conséquence, les journalistes n'ont pas de salaire ou ils ont des salaires pas du tout décents. Après, bon, ils sont obligés de se payer sur le dos de ceux qui organisent des événements, de recourir à l'arnaque, au chantage et à toutes sortes de manœuvres dolosives pour pouvoir trouver quelque chose à manger. Si la plupart des patrons que nous avons rencontrés évoquent la méthode Coé et disent tenir par passion, ils ont tenu à passer ces messages. Vous qui avez la charge de planifier les politiques en vue du développement et de la viabilisation des médias de notre pays, vous qui le plus souvent dépensez de l'argent de ce pays pour aller payer des insertions à France, sur France 24, sur RFI, sur CNN, dans les médias internationaux, chez Jeune Afrique, mais sachez que vous avez la lourde responsabilité de viabiliser les médias d'ici. Eh bien, agissez en faveur de l'avenir de nos médias. Un journaliste qui est vulnérable devient un danger autant pour la société que pour les décideurs eux-mêmes, qui sont forcément en train, peut-être à leur insu, de fabriquer un monstre qui pourra se retourner contre le moment venu. Donc, il est important d'avoir une presse viable, une presse professionnelle, une presse citoyenne, une presse consciente des enjeux. Et je pense qu'en tant que décideur, vous avez un rôle capital à jouer pour l'éclosion d'une presse qui serait le miroir du Cameroun en émergence. Il y a la passion, mais il faut quand même aider tous ces passionnés à pouvoir vivre du métier qu'ils font aujourd'hui, qui est quand même une certaine équitabilité, parce que ce qui se passe aujourd'hui, c'est qu'on a la chaîne nationale, par exemple, qui a tout pour elle et les autres médias n'ont rien. Rendez-vous au sommet, ce n'est pas qu'un slogan, c'est une démarche, c'est une ambition, c'est une énergie, c'est un chemin. J'espère que ce ne sera pas long, le chemin de croix, mais nous savons qu'il va falloir faire des sacrifices. Aujourd'hui, pour payer une patente, on vous coupe de l'argent pour vous dire CRTV. Et pourquoi nous autres, nous n'avons rien? Essayez de regarder. Vous voulez voir aussi la rébellion au niveau de la presse? Nous allons en rang dispersé et c'est ça qui est le véritable problème. Vraiment, Amou Bilinga, tu es quelque chose. Chaque jour, prenez cette affaire en main. Sinon, c'est grave. Moi, j'emploie 17 jeunes, bacheliers, maîtrise, master, qui gagnent 30, 40, 50 000 francs ici parce qu'ils ne peuvent pas gagner ailleurs. Parce qu'on n'est pas subventionné. On demande aux gens de ne pas... Excusez-moi, je peux pleurer parce que ça me fait énormément mal. Le poids des mots qui résonne comme un appel à la réforme. Avoir une presse professionnelle nécessite donc la mise en place d'un environnement juridique, économique et social viable pour que le pays ait vraiment la presse qu'il mérite. Une presse qui mange à sa faim garantit un progrès certain. Elle est nouvelle, elle est belle. Zen Radio, c'est le nom de baptême de la nouvelle radio de la ville de Sombiliba. Elle fait le bonheur des auditeurs du département du Djaïlobo. C'est dans la région du sud du Cameroun. C'est que du bonheur, c'est le nom de sa matinale. Comment est produite cette émission? Nous sommes allés à Sombiliba. Nous nous sommes glissés dans les coulisses de la production de cette matinale radio. Et sincèrement, c'est que du bonheur. Making of. Bienvenue, bienvenue à Sombiliba. 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 Come on, come on. Zen Radio. Zen Radio. 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 Zen Radio. Vous faites bien de nous retrouver encore une fois à l'Écosse. Du Djaïlobo, dans la région du sud Cameroun, avant le lever du soleil. Malgré la concurrence des réseaux sociaux, la matinale des Zen Radio a su s'adapter afin d'offrir la primeur de l'information de la journée à son public. Pour comprendre comment se fait ce radio réveil captivant, l'équipe de Travelling s'est donc levée tôt pour se glisser dans les coulisses de l'émission qui active le réveil des auditeurs de la 100.0 FM.
Il est 4h48 ce jeudi-là, quand nous prenons la route pour San Melima, après une averse à Yaoundé. 2 heures de route. Et 170 km plus tard, nous voici donc à San Melima la Belle. Direction, le siège de Zen Radio, situé à l'avenue commerciale au centre-ville. À notre arrivée, dans le studio principal, on capte les dernières salves de l'édition de la matinale de ce jour-là. Est-ce que du bonheur, c'est de lundi à vendredi? Donc il faut encore réfléchir sur ce qu'on va faire vendredi. Alors on vous suit? Une fois la salle de réunion libérée, l'équipe de la matinale investit les lieux. Commence alors le débriefing. Un petit briefing sur l'émission de ce matin. Bon, déjà je suis dans le noir, je ne sais pas si je vous ai dit ça. Puis l'élaboration du menu de l'émission du lendemain. C'est le début du week-end, donc c'est maximum d'ambiance le matin. On essaye un petit peu ce que on va bousculer les gens. Ambiance studieuse, tout y passe. Blague. C'est pas ma faute si j'ai des extensions capillaires. Proposition de sujet. Voilà, bon, quels sont tes éléments demain? La radio mobile a fait... Tu te déplaces, tu seras dehors, non? Un quart d'heure plus tard, fin de la conférence de production. La plupart des chroniqueurs de la matinale des Zen Radio animent d'autres tranches d'antenne. Ainsi, après l'émission, Romain Belibi prépare son émission de l'après-midi. Vanessa Ondoa fait ses recherches. Ampissa Tango, lui, se retrouve seul dans la salle de réunion. Pendant environ 30 à 35 minutes, quand je finis, maintenant, je refais mes textes pour demain matin. Une fois que tout est calé, il peut alors prendre sa journée. À demain, les gars. D'accord, demain. Ouais. La journée s'est terminée. Ouais, je prends un peu ma pause. Je me repose un tout petit peu. Puis on se revoit demain. À demain alors. Ouais, à demain. Allez. C'est que du bonheur. C'est une équipe de 8 personnes qui œuvre à réveiller dans la bonne humeur les auditeurs. Vanessa Ondoa. Zen Radio. Salut, c'est Romain Belibi. Jean Calvin Oudou. C'est que du bonheur. Je suis Jerry Eba. Moi, c'est Alan Zambe. Zen Radio. Je suis Vitesse Nogo. Pour sa rubrique Radio Mobile, nous décidons de suivre sur le terrain le chroniqueur Vitesse Nogo. Sa mission est d'aller rencontrer des populations pour capter la vie et les émotions dans les villages, les quartiers et les entreprises, comme ici ce jour-là, dans une structure de santé publique au lieu-dit 9e rue, au quartier Akon. Bonjour Fissa Tango, bonjour Alan Zambo, bonjour à tous nos auditeurs de la Radio Zen. Elle va nous dire comment elle se sent ce matin après l'accouchement. Bonjour. La radio mobile a effectué un déplacement ici à la 9e rue. C'est une million de auditeurs qui nous écoutent de ce côté-là. Et alors, quand vous êtes levé le matin, qu'est-ce que vous avez pris comme petit déjeuner? Cette rubrique est toujours enregistrée à l'aide d'un dictaphone, puis montée en post-production par le chroniqueur lui-même. Vendredi, au lendemain de notre arrivée, il est 5h35. Nous quittons notre hôtel. San Melima s'éveille. Nous retrouvons le chauffeur qui nous attend déjà devant la maison de la radio, puis... Direction le domicile du présentateur, au lieu dit quartier des milliardaires. Un appartement 2 pièces qui s'ouvre à notre arrivée. Ampissa Tango au réveil. Je me réveille, je regarde un peu la télé et puis après je range mes affaires. Passe des coups de fil pour caler ses rendez-vous de la journée. Je t'appelle à 8h15, mets-toi là, il n'y a pas de... Chaque matin,
en appel vidéo, il prend régulièrement les nouvelles de son épouse, Florence, et ses trois enfants qui vivent à Yaoundé. D'accord, ok, bisous. 6h15, au chant du coq, départ pour la radio. Tu vas encore intervenir ce matin, hein? Ouais, 8h30. Une fois dans les locaux de la chaîne, il s'engouffre dans la salle de production pour réécouter la playlist du jour. Pendant que la technicienne de surface passe un coup de serpillière, c'est le bal des arrivées du reste de l'équipe. À 2 minutes de la prise d'antenne, les matinaliers déjà présents s'installent en studio. Cette heure, c'est que du bonheur et sur les ondes. C'est que du bonheur, 7h-9h. C'est ce que du bonheur jusqu'à 9h avec Alain Zerbe, le suprême. Le voilà à la technique pour la mise en onde. Vanessa Vanessa à mes côtés, je suis là pour l'essentiel. Salut, bienvenue. J'adore le cri. Celle-là, c'est pour te dire bonjour ce matin, tranquille. C'est une musique pour saluer tous ceux qui nous écoutent en ce moment sur 100.0 MHz. La diva du micro est avec nous ce matin également. Bonjour Romaine, c'est pas tout le temps quand on te retrouve. Bonjour à tous les auditeurs de Zen Radio, c'est 7h18, silence radio. On est plongé dans le noir. Les coupures de courant sont légion ici. C'est embêtant, chiant et choquant à la fois. Mais la jeune radio inaugurée le 23 mars 2019 a les moyens de sa politique. Quand on coupe la lumière, on est obligé de balancer sur le générateur, dans le groupe électrogène que vous voyez là. On est obligé de faire le tour parce que justement ces problèmes de coupure ont endommagé notre inverseur. La radio à nouveau alimentée, l'émission peut se poursuivre. Bienvenue aux 8 heures. Entre deux rubriques, les matinaliers de Zen Radio peuvent booster leur énergie en dégustant des boissons chaudes et des croissants. C'est le moment réservé à l'invité du jour. L'artiste Erwin Gebo est au téléphone depuis Yaoundé avec Ampis. J'adore le live, j'adore le live. Autre grand moment de la matinale survitaminé, la rubrique Radio Mobile. 8h39, c'est le temps du sport. Emmanuel Marop signe sa chronique par téléphone depuis Douala. Merci beaucoup Emmanuel, porte-toi bien, que Dieu te bénisse. Également, c'était juste un petit détour, voici la suite. 8h49, c'est l'heure de passer la main. En chef d'orchestre de la bande des Joyaux Lurons, Ampis Atango passe un coup de fil à une autre grande voix de la chaîne. Empereur Dadi s'apprête à prendre le relais pour enchaîner 3 heures à la suite, après c'est que du bonheur. Et à l'empereur Dadi, que vous retrouverez dans un petit peu moins de 9 minutes sur la radio Zen. Une séquence interactive qui vient clôturer un rendez-vous devenu incontournable pour les leftos de la région. C'est que du bonheur, c'est que du bonheur. De lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, c'est que du bonheur. Et merci beaucoup également à toute cette grande et belle équipe très jeune, mais aussi dynamique qu'on appelle Traveling de Vox Africa. On vous souhaite de passer une très belle journée et que Dieu vous bénisse. Salut, à demain. Il est 9h05. Je suis sûr qu'on a mangé mon dernier gâteau. Traveling, on a été très contents, très ravis. Ouf, c'est la totale.
C'est ainsi que se déroule le réveil du lundi au vendredi sur les rives du Dia et Lobo, et c'est que du bonheur. Envoyés spéciaux à Sanmélima, Alain Nagui et Sonoro, Jacques Ekwa et Christian Boadjé. C'est une voix majeure du paysage audiovisuel camerounais. La radio est sa passion et il en est l'une des références au Cameroun. Avec ses deux prénoms, il s'est fait un nom. Pour la première fois à la télévision, portrait de celui que l'on surnomme affectueusement le séducteur Léonard Châtelain. Son parcours, sa vie intime, ses défis, ses rêves, oui, c'est dans ce gros plan signé Romia Lacroix-Zoé, Caroline Chindiac, Christian Boadjé et Alain Singon. Salut, c'est Léonard Châtelain. Son élégance fait des envieux. Son éloquence fait des heureux. C'est dans ça, sur le BFM, c'est un esprit, c'est une culture, c'est une philosophie. Traveling. Sa créativité suscite des vocations. Il m'a vraiment donné envie de faire de la radio parce qu'il parlait très bien. Une expérience auditeur unique. Non, une expérience auditeur unique. C'est la redélite. Châtelain est comme un vrai parrain professionnel pour moi. Sa générosité a marqué des générations. Quand vous entrez en contact avec lui, je vous assure, il vous laissera toujours une trace pour la vie. En 30 ans de carrière dans l'animation audiovisuelle, le Camerounais Léonard Châtelain est devenu une référence. Qui est-il vraiment? Comment est-il sorti de la masse? C'est un bosseur hors pair, je l'ai vu parfois répéter son texte jusqu'à la perfection. Qu'est-ce qui le motive? Entre ses propres révélations, les confidences de ses proches et le regard de ses fans. C'est la voix suave de Léonard Châtelain, son tonus exceptionnel qui nous réveillait tous les matins. Nous vous emmenons dans l'intimité de ce garçon qui s'est fait un nom avec ses deux prénoms. Traveling. Ils vont croire qu'on est devenu tous fous alors que, en fait, je suis en train de me convaincre de l'image que je renvoie à l'antenne. Lui et son image, visiblement, un sacré mariage. Léonard Châtelain tient tellement à son apparence qu'il ne laisse personne indifférent. En 1994, quand je commence à côtoyer les couloirs de la CRTV, on me parle d'un animateur brillant, jeune, très beau, très élégant, qui fait craquer les cœurs des femmes. Vous savez, c'est quelqu'un qui aime l'élégance, qui est beau, qui a toujours ce petit charisme de séduction et séducteur. On a l'impression qu'il bluffe, on a l'impression qu'il se vante, et pourtant c'est quelqu'un de très vrai. C'est quelqu'un qui est très attaché à son image, à l'image qu'il renvoie, et je pense que dans notre métier c'est très important. Il prend trop soin de lui, franchement, il exagère, il donne des complexes aux autres. Il est tellement fin, toujours propre sur lui, toujours de belles cravates, tout est pieds nus. Donc du coup, il nous fait des complexes, quoi. Cela vous donne des complexes? Ça, on n'y peut rien, désolé. Et sa femme dans tout ça? N'est-elle pas rouge de colère et de jalousie quand elle pense à une réputation pareille? Elle se pose même pas ce genre de questions. Vous savez, à partir du moment où on s'est dit oui, c'est parce que mutuellement, il y a eu un chimiotactisme très positif. Autant elle est très très belle, mon épouse. Au premier sens du thème, mais non, ben, séducteur professionnel, je dirais oui. Ce séducteur professionnel est donc depuis 2 ans chef de chaîne de CRTV sous la barre FM 105 de Douala au moment de notre tournage. Dans son bureau ce jour-là, chose curieuse, visiblement le patron n'a pas besoin d'attendre une femme de ménage pour donner vie à son lieu de travail. Il le fait lui-même. Encore un signe de sa passion pour le beau, l'art, le détail. Dans ces lieux également trône un tableau en hommage à ses illustres prédécesseurs. Joli signe de gratitude. Tout près de là, un de ses nombreux prix en hommage à sa carrière de brillant animateur audiovisuel camerounais. 30 ans que ça dure, une fierté pour son public et sa génération. Ceux de ma génération, Châtelain est certainement le meilleur de loin de nous tous. Il est d'une culture générale
incroyable. Et puis quand on parle de bonne feuille, c'est pas du kebab d'Indolé, du Tegué et compagnie Sangafolon. On était des animateurs de musique. La musique, le hit dédicace à Mademoiselle Telle. Non. C'est le premier à construire des réflexions, à développer ce qu'on appelle la pertinence en animation. Il n'aime pas qu'on parle dans les musiques. Notre autorité vous dira, non, fais pas ça. Non, ça, c'est les animateurs de l'époque. J'étais encore tout à l'heure dans son bureau. Je lui dis, on a tous rêvé dans notre génération d'être assis là, mais toi, t'es assis là. C'est une victoire pour notre génération à tous. Mais attention, derrière ce talent évident se cache un travail acharné permanent. Une discipline capable d'effrayer un non-initié. À l'époque, on faisait la pub sur des bandes magnétiques. Il fallait couper, Châtelain pouvait reprendre 150 fois parce qu'il n'a pas articulé sur une syllabe comme il le voulait. Une expérience auditeur. Non, c'est pas une expérience. Une expérience auditeur unique sur la radio des hits. Parfois, je me réveillais à 1h du matin. Il était là en train de répéter son texte, Lionel Châtelain. Donc, c'est quelqu'un qui est toujours en quête de perfection et c'est un passionné européen encore aujourd'hui. Quand vous avez le bonheur de partager un studio, un plateau avec lui, il se dégage de lui cette passion qui est un peu exceptionnelle. Quoi. Eh bien, mesdames et messieurs, bienvenue. Quand je disais à mes parents que je devais devenir animateur de radio, même ma petite amie, elle se moquait de moi. Elle dit animateur de radio, amuseur public, tu veux dire. Alors, Châtelain, c'est le premier gars, l'un des rares gars, intello, doctorant, qui laisse toutes les filets de communication pour les faire animation radio. On dit, mais attends, mais ce gars, il est fou. C'est quoi ce gaspillage intellectuel? Ah ben tiens, pourquoi est-ce que je pars des séances politiques pour la radio? Mais peut-être parce que je voulais faire la politique de la radio aussi, quoi. Voilà, je vais être plus sérieux pour dire que c'est l'appel de la passion. Châtelain est celui qui a amené le prestige dans la profession. Il soigne la forme et le fond. Le fond et la forme du professionnel ne sont jamais séparés du fond et de la forme de l'humain qu'il est. C'est quelqu'un qui aime être entouré de gens, il mange difficilement seul. Il est toujours là à coacher, à te dire ce qu'il faut faire, à te dire ce qu'il ne faut pas faire. J'ai eu beaucoup de coups bas, et au point où je voulais tout laisser tomber, partir. Et c'est à ce moment-là que Léonard Châtelain a été quand même... a fait vraiment partie intégrante de ma vie. C'est vraiment l'une des rares personnes qui nous a ouvert la fenêtre chaque fois qu'on fermait la porte. Châtelain, je l'ai connu à Yaoundé au début des années 90, à FM 94. C'était la grande vedette de FM 94, vraiment le chouchou de l'antenne. Et malgré ça, il était resté quelqu'un d'accessible, très humble. Non, mais c'était un monsieur impressionnant. Je crois que Châtelain, c'est un monument. Je l'appelle le maître. La rigueur et le talent sont des obsessions en lui. La preuve, son allergie aux moindres fautes de français et le souci d'avoir des studios impeccables. Autant il est rigoureux, autant il est généreux. Durant notre tournage, par exemple, c'est lui-même qui insiste pour nous réserver un décor idéal pour notre interview. Monsieur Châtelain ? Oui, bien bonjour. Bonjour. Je t'appelle depuis ce matin parce que je suis avec toute l'équipe de Travelling. Ceux qui le connaissent sont donc capables de parler de lui au superlatif sans s'arrêter. Mais dis donc, ce bonhomme n'a donc pas de défauts? Il a tellement de qualités que je trouve que c'est un défaut finalement. Parce que je pense que Léo... Mais vous savez, quand vous le voyez, vous sentez qu'il est heureux. Il est tellement heureux. Quand on le regarde aujourd'hui... La prestance physique qu'il conserve et tout ça est simplement l'émanation de son âme. L'âme de cet homme est animée par une double culture camerounaise issue d'un papa de l'Ouest et d'une maman du centre-sud du pays. Monsieur Fangboulou, c'est un mélange de Bafang et de Boulou. Un papa Bafang et puis maman Boulou. Mais si je peux dire Ambolo Yamela, c'est-à-dire bonjour, comment tu vas? Vous voyez que je parle les deux langues en même temps. Cet amour entre ce papa enseignant d'université et cette maman assistante de direction donne naissance à 3 garçons et 3 filles. Une famille dont fait partie Léonard Châtelain, lui qui voit le jour à la fin des années 60 à Yaoundé, où il effectue la plupart de ses études. Mon véritable nom, Léonard Gofaké, le petit nom que j'ai dû réactiver est celui de ma maman, qui pensait que j'étais... le détenteur de son petit château, son château de cœur. Donc c'est elle qui a décidé de m'appeler Châtelain. Et comme on sait que les mamans sont toujours porteuses de spiritualité positive, de bénédiction, elle dit, ah tiens maman, ce petit nom de Châtelain, moi,
je lui donnerai vie un jour et c'est comme ça que j'ai choisi de m'appeler Léonard Châtelain. D'abord pour maman que j'aime bien. Regarde l'émission, maman, je t'adore. Une famille que le petit Léonard Châtelain adore. Mais ce qu'il adore également, c'est lire, se cultiver énormément. Contrairement aux enfants de son âge, le petit gars dévore passionnément les livres, les revues et les émissions audiovisuelles de qualité telles que les hit-parades français ramenés par papa. Cette passion pour la culture l'aide à effectuer brillamment ses études de la maternelle au supérieur. À l'université de Yaoundé, à Ngouékélé, seule université publique de l'époque, Léonard Châtelain est un brillant étudiant de droit et de sciences politiques. Seulement, une frustration profonde s'invite dans le film de sa vie. Il la raconte avec pudeur et fair play. En 1991, vous avez une maîtrise avec une mention bien. Et là, tout de suite, vous frappez aux portes de l'IRIC, l'Institut des Relations Internationales du Cameroun, pour un concours sur études de dossier. Vous imaginez que j'ai une mention bien. J'ai réussi bien cette séquence orale-là. Directeur général de l'IRIC de l'époque, M. Agbok Tabi, il va me retrouver à l'extérieur, me féliciter et me dire « Allez, mettre le champagne au frais ». Je suis parti dire à mon père que c'est bon, je suis à l'IRIC. Le directeur général lui-même, himself, m'a dit d'aller mettre le champagne au frais. Mais après, il y a eu une proclamation des résultats. Je suis arrivé pour regarder les résultats. 7 noms affichés, mais il n'y avait pas mon nom. Vous voyez, un gars comme ça qui a été meurtri, blessé dans l'enfance, mais qui réussit à donner tant de joie aux gens, vous demandez, mais comment il fait? Il n'est pas rancunier, non. Il décide le bonheur partout où il passe. C'est la première déchirure, n'est-ce pas, sur le plan académique. Cette déchirure, il va donc en faire une armure, une force de frappe, orienté vers une nouvelle vocation, l'animation radio. Une vocation déclenchée au début des années 90. Le baptême de feu à la radio, c'était en 1991. La FM 94 venait d'ouvrir et donc elle diffusait de la musique. Comme tous les jeunes écoutaient la radio, il y avait un animateur qui passait entre 16h et 18h. René Canébéna qui animait une belle émission sur la première FM du Cameroun. Et il avait le langage tellement châtié, avec un gros vocal qui m'avait tout de suite séduit. Hein. Et puis, il a lancé un jeu à la radio, le Studio Libre. Dans lequel il invitait les jeunes passionnés de métier et d'animation à venir faire un petit bœuf, un petit passage avec lui. Donc. Et chaque fois qu'on était sur ce plateau, on se faisait évaluer par les auditeurs. Venu comme simple auditeur, curieux de la FM 94, il finit donc par s'imposer comme l'un des animateurs majeurs alors qu'il n'avait jamais fait de radio auparavant, ni fréquenté une école de formation en audiovisuel. Son impact radiophonique devient immense et un beau jour, il est recruté. Je t'ai amené une émission à la radio et une belle dame d'ailleurs, c'est Agnès Ndoumbé. Mais elle m'a tenu par la main, elle m'a dit que le directeur général de la CRTV souhaitait me voir. Et quand je dis qu'elle m'a tenu par la main, c'est parce qu'elle savait que j'allais dire non en fait. Elle me tient par la main, elle m'amène à la direction générale de la CRTV. Mais... j'arrive dans un très grand bureau, je rencontre pas mal de directeurs, 6 au total, et puis le grand professeur Gervais Mendozé, mais qui me salue, il dit qu'il est très fier de moi, mais qu'il souhaiterait que je travaille à la CRTV. Alors je lui ai demandé, monsieur le directeur général, je gagnerais combien? Mais il me dit avec son discours et sa très belle voix, vous les enfants d'aujourd'hui, mais quand on ne vaut pas de travail, vous voyez les salaires. Il faut d'abord voir le travail, il faut entrer, mais comme ça on va démarrer. Et il me demande de suite quel est le niveau que j'ai. Je dis 5e année d'université de sciences politiques. Et il me dit, ah ben tiens, je n'ai pas compétence de vous recruter, comment on fait? Il faut passer par un conseil d'administration spécial. Alors je lui dis, monsieur le directeur général, ben dites-moi concrètement combien je serai payé. Alors il regarde ses collaborateurs qui sont étonnés. Il m'a dit, je vous envoie à Douala, vous allez démarrer avec 350 000 francs CFA. Et quand je dis, ah ben tiens, là, l'université, ma dernière bourse, c'était 50 000 francs CFA, 350 000 francs CFA. Il dit, ah ben tiens, rien que pour ça, peut-être que je devrais dire oui. Mais je lui ai dit, une fois que je serai à l'intérieur, il faudrait absolument que ça puisse monter. Il m'a dit, avec ton niveau, tu gagneras beaucoup d'argent à la CRTV. C'est comme ça que je suis resté. Il fait donc désormais partie de l'Office de radiodiffusion et de télévision publique camerounaise, CRTV. Mais malgré sa renommée montante à cette époque-là, il est déjà un mentor et un modèle pour beaucoup. C'est lui qui amène le côté sérieux, le côté pertinent. Il a développé la pertinence en animation. Et il me dit un jour, Cyril, tu sais, l'animateur de demain n'est pas celui qui vient crier au micro, il crache dans le micro, c'est pas ça. Demain, tu n'es pas un bon journaliste, un bon pédagogue,
un excellent communicant, tu disparais de la scène. Et il avait raison, je lui ai très peu d'animateurs qui tiennent. Il m'a guidé, il m'a tenu par la main. Et ça a été une grande école pour moi, l'école Châtelain. C'était une très grande école. C'était ma plus grande université en communication. 1, 2, 3, 4. Bonjour pour ceux qui sont sur Sport FM. Cette pour... passion exceptionnelle l'amène à se former en permanence, aussi bien au pays qu'à l'étranger. À la FM 105 à Douala, où il est affecté, il sort du lot une fois de plus. Il y avait un journal qui passait à 22h, qu'on appelait News Via News. J'ai donc démarré par ce journal-là. Et une fois que je l'ai pris, on me l'a collé. Après peut-être un mois de journal, on a testé mes capacités à animer la matinale. J'ai pris la matinale, Matin Bonheur sur Soula by FM 105, et j'échange le contenu de Matin Bonheur. C'était un pur bonheur. D'ailleurs, aujourd'hui, j'anime une émission sur Soula by FM 105 qui s'appelle « C'est que du bonheur ». C'est aussi une coïncidence. Vous arrivez à Douala, la fréquence est 104.9, fréquence de référence, l'air de Seslo et BFM. Puis, direction Bafoussam à Poala FM. Là-bas aussi, ses émissions cartonnent. Au courant des années 2008, 2009, 2010 jusqu'à 2012, j'ai eu la grâce d'être l'une des voisines de Tonton Léo, comme on l'appelait affectueusement, au Gabon Bar, l'un des quartiers bien connus à Bafoussam, à l'est du Cameroun. Et par la suite, j'ai eu la grâce d'être dans l'équipe de jeunes de vacances de la CRTV Poala FM, où j'ai touché du doigt et où mon rêve est devenu réalité. Et bien la machine à café hein, réunit toujours de belles gens. Bon, pendant ces années-là, c'est la voix suave de Léonard Châtelain, son tonus exceptionnel qui nous réveillait tous les matins, qui nous plongeait dans la bonne humeur à travers la matinale de la 104.7 FM, CRTV Poala FM. La matinale qui s'appelait la machine à café. La machine à café, le matin bonheur café. Il y a certains qui avaient pensé que c'était une affectation disciplinaire, mais j'ai jamais cru à cette thèse-là, mais je crois plutôt à la stratégie qui était celle du directeur général de la CRTV, qui voulait lancer une nouvelle radio à l'ouest, dans Poala FM. D'ailleurs, quand il m'a reçu une deuxième fois pour m'envoyer d'ailleurs à Bafoussam, il m'a dit la première fois, c'était pour Douala. Maintenant, je vous envoie à Bafoussam parce qu'on va lancer une radio. Je sais que ce n'est pas votre milieu de prédilection, mais vous savez, dans la vie, ouvrir une radio, il y a très peu de personnes qui ont ce privilège-là. Mais j'ai pris ça comme un challenge. On est arrivé, on était parti pour une mission à Bafoussam d'inversion de la coupe d'audience qui était déjà gagnée par Radio Bacham. Il nous a donné 2 mois pour pouvoir le faire, mais on l'a fait en 2 jours. Ça a été fait, belle mission et j'ai adoré. Vous ne pouvez pas t'avoir à Bafoussam, ne pas te recevoir. À Bafoussam, le gars distribue du bonheur aux auditeurs et partage son talent avec les jeunes encore et encore. Ça a permis au Cameroun aujourd'hui d'avoir beaucoup d'animateurs et des journalistes de Bafoussam. Staleno est donc passé par là. Adrien Ouadio aujourd'hui, je vais citer Falex Fatué, Brice Albin, ils sont tellement nombreux. Un mercredi, l'émission s'appelait Juvénile, je suis allé et voilà, on a fait une rubrique qui s'appelait Animateur de demain, c'était mes premiers pas sur cette antenne-là. Le même bonheur, le même talent et la même générosité sont perceptibles quand il devient chef de chaîne de Mount Cameroun FM. En 2012. On a pu révéler les Mister Léo, les Sassalatiel, les Blesby, Daphné. 2017, l'animateur et le manager s'installent à Souelaba FM 105 de Douala. Un retour à la maison en tant que patron. Et je me suis décidé d'être un acteur de son repositionnement, un acteur de son impact, un acteur de sa notoriété. Pour ceux qui arrivent à l'instant sur la BFF, fréquence 104.2, pour vous rappeler que dans cet instant... L'audiovisuel, c'est sa vie, rien à dire. Mais l'autre moteur majeur de cette vie-là, c'est sa famille, un refuge incomparable. Daniel Stéphane, c'est son prénom. Une rencontre qui s'est faite de manière assez romantique aussi. Hein, c'est-à-dire, le temps d'une fête, est-ce que c'est une photo? Et après, je me dis, mais non, mais c'est là qu'il sollicite une photo. Je préfère évidemment qu'elle soit sur ma photo de famille après. Heureusement qu'il a une femme formidable. Cette fille a apporté quelque chose à sa vie que je pense qu'elle n'aurait pas pu apporter aussi facilement. Mais comment vous savez qu'elle travaille à Camerco? Traveling, c'est beaucoup d'insight forcément. Bon, je peux deviner que l'émission était très bien préparée. Effectivement, elle travaille à Camerco. Nous sommes mariés le 7-7-2007. C'est quelqu'un qui est un père poule, voilà.
Ben voilà, Beaux-Arts, attends, j'ai vu un truc comme ça en magasin long. Je vais prendre ça pour Daniel, c'est son épouse. Je vais prendre ça pour les petits-enfants. Monsieur Maria, ça fait 12 ans déjà, 12 ans de mariage, 12 ans qu'on est ensemble. Elle est hôtesse de l'air et moi je suis on air. On a fait des enfants, des très beaux enfants d'ailleurs. Populaire mais pas vulgaire. C'est le mec qui est chez ses enfants à la maison. Tout le week-end, il ne sort même pas le pied dehors. En semaine, il bosse dur. Le week-end, il cajole fort ses enfants. J'adore ma petite famille. Sa famille, en réalité, c'est aussi toutes ses âmes et ses esprits qu'il a tirés vers le haut. Des êtres reconnaissants à l'infini. Je ne sais pas si je te l'ai déjà dit avant ce moment, mais je tiens à ce que tu saches que autour de ton arbre, il y a tellement de beaux fruits qui sont tombés qu'aujourd'hui, tu peux sans gêne être fier de la trace de lumière durable que tu as laissée. Tu as été comme un personnage tutélaire pour moi, parce que sans ta présence, je ne sais pas où j'aurais fini. Sur le plan personnel, je voudrais déjà te dire toute ma gratitude. Mon cher parrain, je suis aujourd'hui encore honoré et à chaque fois c'est comme un petit gamin hein, qui parle de son papa avec beaucoup d'amour, beaucoup de joie. Et donc j'ai aujourd'hui envie de te dire merci d'abord pour tout ce que tu m'as donné comme ficelle. Le cerveau là ça va toujours 100 à l'heure, il y a encore j'imagine plein de choses que tu prépares et je ne peux que te souhaiter beaucoup de réussite. Maître, animateur séducteur, le roi Léo, le number one. Tu sais, je pourrais parler de toi pendant toute une journée sans m'arrêter. Tellement tu as impacté ma vie. Continue, Léonard Châtelain, à partager avec ceux qui viennent à toi ce que tu es et ce que tu as. Tu as beaucoup d'amour à donner, je l'ai toujours dit. Quand je parle de Léonard, vous savez, parfois j'ai envie de pleurer parce que c'est quelqu'un qui a marqué quand même ma vie de manière très particulière. Il était pour moi un grand frère que je crois que le bon Dieu m'a donné parce que il m'a soutenue, il m'a encouragée, il m'a motivée, il m'a redonné la passion que j'avais perdue, il m'a redonné la force. Donc, je vais te dire, mon grand frère, que je t'adore et que tu restes comme t'es parce que je t'adore. Bye, je t'adore. Reste comme t'es, ne change pas, t'es mon number one. Léonard Châtelain est en permanence motivé par une foi de rêveur, bosseur, aux multiples projets. Il y a une phrase que je ressasse toujours, les rêves sont faits pour être réalisés. Il rêve mieux que vous, il porte, son cœur bat votre projet, ça bat dans son cœur mieux que vous. Si vous n'avez pas le temps pour vos propres rêves, quelqu'un d'autre utilisera votre temps pour l'aider à réaliser ses rêves. Donc à un moment, il faut franchir le pas, il faut embrasser ses rêves, remplir sa mission de terrien qui passe par là et qui laisse quelque chose à la postérité. Autant il s'est rêvé et bossé pour en faire une réalité, autant il s'est créé au point d'assaisonner la fin de notre entretien avec un joli parfum de slam chanté. Et ça, ce n'était pas programmé. Vous travaillez. Savez pas que je me raconterai un jour, jusqu'au jour où on m'a mis en contre-jour, pour savoir justement de ce qui se passe chaque jour de ma vie. À Caroline, je me suis confié pour travailler. Traveling. À bientôt. Celui qui aurait pu être diplomate ou enseignant de sciences politiques aurait donc pu se venger amèrement après avoir été déçu. Mais Léonard Châtelain a choisi une vengeance plus positive, devenir l'un des producteurs de contenu audiovisuel et stratège en communication les plus brillants de sa génération. Une vengeance au nom du bonheur et de la classe. Si vous n'avez pas le temps de réaliser vos rêves, quelqu'un d'autre le fera à votre place. Signé Léonard Châtelain.
Après l'expression chuter, Copo nous parle du whiteisage dans nos médias. Le temps pour moi de prendre un rafraîchissant. Je vous laisse en compagnie de la Côte Focale. Alors, quoi de neuf au pays? Est-ce que ce n'est pas magnifique, cette chanson de Caresse? Je croyais qu'on se décapait seulement la photo. La photo dont le titre... De tout aussi, on se décape aussi la voix. Et juste avant ça, c'était le titre Azani de la même artiste. C'est la thérapie du bonheur, douceur et amour. Voilà. Je vous l'avais compris. Et je crois que c'est le cas. Alors nous prenons quelques messages. Bonsoir Zen. Impossible avec la qualité de voix. Ma réponse à l'expression du jour. Voilà. Ma réponse à l'expression du jour, c'est avancer comme si de rien n'était. Laissons un peu la radio. Allons voir si du côté de la télé. Les gars sont aussi dans le décapage, ma bonne Mahorne. Whiteisage vocal. Il est 7h, passé des 57 minutes et je suis plus seule sur le plateau. Je suis en compagnie d'un auteur camerounais. Il s'appelle Makaya le Yamo. Masso Flankeny est dans le whiteisage alors. On va le savoir tout de suite. Yes. Bonjour Makaya. Vas-y Masso Sodewe, c'est toi qui connais. Merci d'être sur le plateau de Canal Matin. Est-ce que tu vas bien? Yaya tout à tous. Ouvrons cette édition avec une immersion dans la réalisation d'un spectacle. Tina Songé, jeune humoriste Ulrich Yayatou. On dit pas Yayatou. On dit Yayatou. Maman, oh, oh, Yayatou. On a tous grandi avec Yayatou, Yayatou. Ce n'est pas T-S-T-O. Yayatou. Ah, dis donc, tu exagères. Salut à tous. Comment on se retrouve pour une autre édition de notre programme Mix. Ce que disent ces chansons. Patricia Kei. Non, c'est toi qui as tout cueilli alors dans le whitisage là. Massa, toi c'est le haut niveau seulement. Maman, tu as la Champions League du whitisage. Dans notre vie, ces moments où on a l'impression que le ciel nous tombe sur la tête. Pardon, faut que je suis ton passeport et sans que c'est seulement Schengen, 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 Schengen. Non, j'ai dit, excusez-moi, est-ce que le whitisage là, ça fait partie des matières quand on est à l'école de journalisme? D'abord, je vais introduire le son de ma pote Charlotte Dipanda. Comme vous croyez que vous êtes les seuls à whiteiser. Mesdames, mesdames et messieurs, bonsoir. Bienvenue à votre émission préférée et favorite sous le ciel de Oyomabanga. Oui, Oyomabanga, pas Oyomabanga. Alors nous allons nous écouter Charlotte Dipanda dans Coucou. Écoute ça. Sacré Copo, je ne sais pas si moi aussi je whiteise, mais une chose est sûre, c'est l'heure du zapping. Magnéto. Et moi j'adore quand tu ris, t'es tellement mignonne, on dirait un bébé chaton. Notamment européens et dans d'autres parties du monde. Alléluia. Amen. Ils n'ont pas ouvert le micro. Tu es celui qu'ils ont ouvert maintenant. Laisse te voir. Toutes nos excuses. Ah non. Excuse refusée. C'est souriant, hein. Je suis fou. Fou, je m'en fous. Les Camerounais, que Dieu vous garde. Moi, je ne suis plus là-dedans. Ça vous me dépasse. Je suis morte de rire. Oh mon Dieu. C'est pas une seule la réglomanie. T'as quel âge, dis-moi? J'ai 5 ans. Tu as 5 ans? D'accord, j'ai les larmes aux yeux, moi. C'est normal. Et c'est normal? Pour moi, c'est aussi bien plaisir d'aller dans un restaurant assis avec ma femme et mes enfants que d'aller m'asseoir avec une petite fille qui me masturbe l'esprit. Tu as quel âge et puis tu vas t'asseoir une petite fille, à cause de ses fesses, tu perds la boule. Je réponds positivement que j'ai touché les enfants. Ça, je reconnais. Je les ai touchés. Pourquoi? J'ai une maladie. Je suis un obsédé sexuel. Il y a des hommes, leur libido même, c'est ça qui les guide. On dirait que leur nez ne pend qu'à leur sexe. Je présente mes excuses à la famille des parents, des élèves. J'en peux plus. Pour une soirée. Stop, 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 stop. Traveling 2, saison 2, stop et fin.
Merci spécial à notre caméraman Christian Boidier. Mille merci à vous, chers travelers, pour votre fidélité. Fidèle à nos traditions, nous vous faisons gagner ces clés USB et Polo en likant simplement nos pages Creative.com sur Facebook, Twitter, Instagram et YouTube. Justement, cette émission est à revoir sur notre compte Creative.com YouTube. D'ici là, la télé continue. Restez scotchés. Dans un supermarché, on faisait des courses. Alors, il y a une jeune fille qui arrive, toute excitée. Ah, monsieur, 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 monsieur. Alors, il se retourne et dit, je cherche le nom, je cherche votre nom. Je vous vois à la télévision, je vous adore. Et puis après, elle lui dit, mais sauf que j'ai oublié votre nom. Alors, moi, je sais ce qu'il allait dire, Léonard Chatelain. Vous savez ce qu'il a dit? Il a dit, Cyril Bochico. C'est fini. Oh, la mission est finie, ouais.